Welcome all to our webinar today on the Catholic response to unaccompanied and separated children in the context of migration. My name is Ian Manzi. I'm the program assistant of the Collaborative on Global Children Issues at Georgetown University, and I will be your moderator today. As we keep welcoming everybody else who's joining us, uh, as everybody keeps joining, uh, I would like to take time and uh, C'est un projet collaboratif entre nous et les services catholi catholiques afin qu'on puisse prendre en considération ce contexte. Donc, euh, ce nouveau projet pour prévenir la séparation entre les familles dans le cas d'immigration intervient et. Demande aussi et requiert l'aide de plusieurs personnes pour qu'ils deviennent des partenaires stratégiques. Notre webinaire aujourd'hui va pouvoir nous aider à ne plus séparer les enfants dans le contexte de l'immigration en bien sûr en essayant de voir les différentes options qu'on puisse prendre en considération et les différents contextes. Donc, pour la protection des enfants et le service de prise de soins aussi, a besoin qu'on puisse être toujours présent et a besoin qu'on puisse faire appel à plusieurs parties prenantes qui peuvent intervenir afin qu'on puisse résoudre uh, ce problème. Catholic organizations have often been on the front line offering assistance to migrants and refugees all over the world. There are now more children on the move than ever before, fleeing violence, climate disasters, and poverty, and seeking safety and protection within and across borders. Our focus today is on understanding the Catholic response to ethical, legal, and humanitarian dimensions of child migration. We'll explore personal experiences. Projects and initiatives may, aimed at supporting an accompanied and separated children. I have the pleasure today of having with me a number of panelists who will be sharing with us their personal experience and their work in different areas dealing with child migration. I'll have with me Dr. Hilary Haka, who's uh, from Loyola University, and she'll be joining us and discussing a little bit about her work in that field. I also have Batul Salum, who's an advocate for family reunification, who's going to be discussing her family history and the impact it's had on her and her work. We also have Brenda Urizar, who works with CRS in Guatemala, and she'll be telling us a little bit about the journey, or the whole journey, from different perspectives of community levels. We also have Monsignor Robert Vitillo. Will be talking to us a little bit about the work that he does with his organization and the church in general in response to children within the context of migration. So to start our conversation based in our belief that lead experience is expertise, I want us to start with Batul and her story and her experience. Um, given that nearly 40% of the 100 million displaced persons worldwide are under the age of 18. Policy, practice, and research need to be informed by the truths and realities of children's lived experience. But, to, in what ways does your family's journey and history live on through you today? What, ex, what inspired you to become an advocate for displaced individuals and family reunification? And also, why is it so important for the adults shaping the discussion around migration to take an interest in and listen to the experiences of children and young people? hi right. so um would you like me to share the story of uh, my family's migration first sure yeah you can take us through the story and then tell us a little bit about how that has shaped your experience and your work and your passions today but also why it is important for us to give time to listening to these stories and the context they're in yeah yes of course so um i was born and raised here in pennsylvania um, but my mom and her family, she's one of nine siblings, uh, they all remained in Syria. My mom moved here when she got married over 20 years ago. So, due to the conflict in Syria, they were forced to leave and seek refuge um, in another country. Uh, my grandmother, my aunt Fatima, who's the second oldest after my mom, her husband, and their two daughters, as well as my youngest two aunts, Lean and Farah, they left. Syria together and uh, migrated to Turkey. Upon arriving there, they applied for resettlement through the UN refugee agency. Uh, they then had to wait for about two years before their application was considered. In the meantime, after one year in Turkey, Farah was diagnosed with angiomyosarcoma, which is a rare form of heart cancer. They spent a total of about four years in Turkey. With three of those years marked by Farah's hospitalization and cancer treatment, so not only did they struggle with the language barrier and the toll of the cancer itself, but Farah also faced discrimination as a Syrian migrant and endured ill treatment from Turkish hospital staff as a result. After four years in Turkey, Farah, along with my grandmother and my aunt Leen, were, gradu were, were granted refugee status in the U.S. And they were able to come here ahead of Fatima and her husband um, to receive, in order for Farah to receive better cancer treatment in the U.S. When they arrived in the U.S., a local hospice organization had connected them with someone who could provide assistance with their resettlement. Uh, his name is Fred Rooney. Um, a local church worked to aid them in the resettlement process as well. Uh, they stepped in, helping secure housing, covering a few months of the cost of rent, managing paperwork. Driving them to doctor's appointments and supporting them in so many different ways. Other members of the community also offered their assistance in in the same things. And also, the Muslim community um, provided them with a network of people within their faith, um, which was something they valued a lot, especially with the Arabic speaking people. After a little less than a year since Farah. Farah, Lynn et ma grand-mère, après leur venue aux États-Unis, après avoir été réunies avec... Ils ont attendu la réunification avec Fatima. Fatima et son mari étaient au stade final pour venir aux États-Unis et on leur a dit qu'il allait venir. Malheureusement, l'administration Trump a banni les voyages des musulmans, ce qui a stoppé et suspendu ce voyage. L'état de Farah s'est détérioré. Il n'avait que deux mois pour vivre. Quand Farah a accepté la réalité de sa santé, elle a été détruite de comprendre que la réinstallation de Fatima a été arrêtée. Et une fois à l'hôpital, Farah, elle a pleuré, elle a prié les, infirmi les infirmières pour qu'elle voie Fatima avant son décès. À cause, euh, euh, Farah était de, 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 de deux ans mon aînée. Et euh, Farah était euh, de 11 ans, euh, la cadette de ma mère. Ma mère était comme sa mère. Elles n'ont pas connu ma mère et ma grand-mère, ne savait pas quoi faire. Elles ont contacté un ami pour qu'il leur porte assistance. Elle a demandé l'assistance à l'époque euh, du congressman. Euh, et à l'époque, il s'est rendu compte que le ministère des Affaires étrangères et la commission des migrants, les ICMC, euh, devraient les aider pour euh, se réinstaller aux États-Unis. Et depuis. Puisque le temps était important à cause de l'état de santé de Farah, elle a euh, décidé de contacter le Vatican pour avoir l'approbation de cette application concernant notre famille pour, euh, pour expédier et pour euh, euh, accélérer le processus. Avec le secrétaire général du DICMC et l'organisation, elles ont, euh, ont déployé un effort énorme pour accélérer le parcours. Euh, Fatima n'a pas eu le temps de se réunir avec sa famille, euh, c'est ce qui a eu un impact qui a changé la vie de ma mère et de ma grand-mère, Fatima et sa famille ils sont venus après le décès de Farah, c'était réconfortant pour notre grand-mère après le décès de sa fille, c'était un réconfort pour Fatima elle euh, a, a pleuré la perte de Farah et le bébé qu'elle a perdu quatre mois après sa naissance en Turquie. Même le bébé est décédé. Maintenant, Fatima vit ici avec son mari, mes deux cousins et puis Nasa et un cousin plus jeune, Ahmed, qui est né ici après leur arrivée aux États-Unis. Et notre tante, Aline, s'est mariée. Elle vit maintenant à New York. Elle a elle-même deux enfants. Et ils sont à 10 minutes de chez nous, de, ch de ma grand-mère. Oui. Je crois que vous, vous m'avez demandé à quoi, à qu que, à quoi ressemble les, le déplacement pour une jeune personne et quel est l'impact de ce déplacement sur la personne. Pour Lynn, elle était très jeune à son arrivée en Turquie. Ce qui est arrivé avec elle, c'est qu'elle avait l'opportunité d'aller à l'université pour continuer ses études. Après, elle a passé beaucoup de temps en Turquie à apprendre le, la langue. Elle parle couramment le turc. Mais elle avait un autre problème relatif à l'immigration venant aux États-Unis. Et donc, il a fallu beaucoup de temps pour s'adapter à la culture américaine et à la langue a combiné à l'état de santé de Farah, ils avaient besoin d'une personne pour leur porter assistance. Donc, elle s'est focalisée sur la famille, l'apprentissage de l'anglais, et elle a fini par se marier. Le déplacement a affecté Farah de la même manière dans son éducation. Donc euh, en Turquie au collège, elle a venu, elle, elle a voulu terminer ses études malgré les complications. Elle a fait un effort pour apprendre le turc et pour s'enregistrer dans une école en Turquie. Cela, elle a perdu un an de scolarité avant d'être diagnostiquée avec un cancer. Elle était très studieuse, une bonne étudiante. Elle a continué à étudier et à apprendre le turc pour avoir son diplôme et pour continuer ses études. Plus tard, en Turquie, quand elle a découvert qu'elle avait le cancer, elle a continué ses études et elle a pu avoir un professeur, un tuteur lui rendant visite pour continuer ses études. Quand ils sont venus aux États-Unis, même dans sa dernière année, elle, elle m'accompagnait au lycée. Elle a fini par avoir son diplôme, euh, donc avant, après, juste après son décès, nous avons organisé une petite cérémonie chez ma grand-mère parce qu'elle n'a pas pu terminer le lycée. Elle a malheureusement, euh, elle, elle était décédée. Je crois qu'il est très important de s'intéresser aux expériences des jeunes de manière générale euh, qui y ont passé par ce problème parce que s'il si, y a un seul moyen euh, de connaître leurs sentiments, Peut-être les sentiments et les impressions ne sont pas les mêmes que chez les personnes adultes. Il est très important d'écouter leurs expériences parce que parfois, les jeunes euh, surmontent des problèmes différents. Il faut comprendre qu'ils ont eu des difficultés dans la vie et comment leur vie a été impactée. Mais ils ne sont pas conscients, ils ne prennent pas conscience de tout le soutien que l'on peut euh, leur fournir. Il y a des gens qui ne reconnaissent même pas l'état mental de la personne et qui ne reconnaissent même pas le traitement pour les problèmes mentaux. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que euh, d'autres personnes considèrent comme un traumatisme. Pour un jeune, après des traumatismes, l'un après l'autre, ça pourrait détériorer son état mental. Écouter les enfants et les jeunes nous aidera à comprendre que le soutien psychologique est très important. Ils ont besoin d'un soutien pour qu'ils donnent de la valeur à ce qu'ils ont déjà. Donc, il faut qu'ils prennent conscience de ce soutien et de son existence. Merci beaucoup. Nous apprécions beaucoup le fait que vous ayez raconté l'histoire et le parcours de votre famille. C'est un élément très important. Je vais demander à Dr. Hacker. Nous allons comprendre les réalités d'un enfant qui est en mouvement. C'est un aspect critique pour surmonter les défis concernant l'immigration. Dr. Hacker, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre pourquoi est-il important de regarder les migrants, notamment les enfants qui quittent leur terre? Nous avons une, un, petit, un autre niveau de complexité, ce qui rend les choses très complexes à traiter et de plusieurs manières. Qu'est-ce qu'on qu a en place entre la vulnérabilité et l'âge et euh, le soutien Comment peut-on comprendre l'expérience d'un enfant avec l'immigration Merci d'avoir partagé l'histoire de votre famille avec nous. Je crois qu'il est très convenable de commencer notre réflexion par les expériences. Je dois peut-être également dire... Euh, je les, nous avons reçu moi-même je suis migrante euh, je suis venue d'Allemagne et j'avais mes enfants avec moi même sous les meilleures circonstances et même dans les circonstances les plus heureuses avec des privilèges et des situations privilégiées les enfants ont du mal à s'adapter à, à cause de leur identité ou de multiples identités pour qu'ils s'adaptent, ils s'assimilent dans, dans la nouvelle situation. Mais Dans notre institution, d'une part, nous avons besoin de voir l'éthique euh, chrétienne et l'éthique de l'Église chrétienne. Ça a toujours été respecté. Et ça a toujours adapté, la, 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 la foi chrétienne s'est toujours adaptée aux enfants, leur curiosité, leur, leur ouverture. Et ça renforce également l'innocence des enfants quand Jésus nous a demandé de faire comme les petits font, ils vivent dans le présent et l'avenir ou demain n'est pas très important pour les enfants. Alors, il faudrait qu'on traduise euh, cette foi euh, dans la réalité, notamment quand on parle d'enfants migrants et d'enfants en mouvement. Je souhaiterais mettre l'accent mettre l'accent sur votre question concernant les, vulnéra les vulnérabilités et le soutien qu'il faudrait et les actions qu'il faudrait mener dans la tradition de l'Église. Je crois que pour, pendant plusieurs siècles, la vulnérabilité des enfants était toujours le point focal et les enfants étaient toujours le point de concentration pour l'Église, les ministères, les adultes et les actions. Et bien sûr, c'est nécessaire parce que les enfants, ils sont dépendants et dépendent des adultes et dépendent de leur famille, de leurs parents. Et ça s'applique également aux enfants migrants. Et pourtant, les enfants migrants, il ne faut pas qu'ils perdent ce contact avec la famille. C'est notre tâche, c'est de trouver un équilibre entre la vulnérabilité et les actions. Quand j'écoutais votre histoire, plusieurs choses me sont venues à l'esprit. Pendant la dernière décennie, j'ai travaillé à, à sur le code éthique médical. L'autonomie est devenue un principe dominant. Respecter l'autonomie, c'est parfois s'identifier au respect de l'identité. L'Église catholique comprend très bien que le côté éthique, la vulnérabilité pourrait être expliquée de plusieurs manières. Vous avez parlé du besoin d'apprendre une nouvelle langue dans un pays, comme dans un pays intérim, pays de transition, comme dans votre cas euh, la Turquie, ou dans le pays de réinstallation. Ce n'est pas, pas ce que fait chaque enfant. Mais ils doivent apprendre la nouvelle culture, une nouvelle langue. Et ça, c'est une vulnérabilité en soi. C'est une vulnérabilité qu'ils partagent entre eux. Mais ce n'est pas une vulnérabilité qu'ils partagent avec les autres. Ça, j'appellerais une vulnérabilité humaine à la maladie et aux problèmes de santé. Nous avons un peu du mal à comprendre et à traiter euh, cela quand on a un enfant qui dépend de sa famille. On a l'explication d'un adulte, on ne comprend même pas ce que c'est, ce qui se passe dans le corps euh, quand, quand on est malade. Peut-être que vous n'allez pas comprendre euh, euh, en, 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 si vous n'avez pas accès aux soins médicaux, quand vous aurez, par exemple... Euh, si vous avez par exemple un problème ou les filles qui passent par la menstruation, ce sont ou quand vous avez la grippe, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Cela s'accélère et cela augmente quand vous êtes mineur et mineur-migrant. C'est encore pire quand on est mineur et migrant. Nous avons des vulnérabilités qui sont cachées et sur lesquelles je mettrai l'accent. Ce sont les vulnérabilités morales. Les enfants migrants, notamment ceux qui sont séparés de leur famille et qui sont en mouvement, savent très bien qu'ils deviennent ou qu'ils pourraient devenir la cible d'exploitation, qu'ils peuvent être ciblés en tant qu'entre-considérés comme un fardeau par les adultes. Ils seront victimes de, euh, de stigmatisation avant l'immigration ou même après la réinstallation. Donc il faut voir tout ce processus. Ce que j'appellerais la vulnérabilité, c'est relatif à l'humiliation, au sentiment de non-appartenance, que la personne n'appartient pas à la communauté, la violence réelle, la violence physique et morale que plusieurs enfants peuvent confronter ou expérimenter. Nous avons également. Les vulnérabilités basées sur le genre qu'il faudrait, euh, qu faudrait évoquer également. Mais ça concerne les deux genres et tout individu. Quand vous parlez de minorité, de transgenre, des enfants transgenres, donc vous avez tout ce type toutes ces vulnérabilités qui s'accumulent et puis vous avez un troisième niveau vous avez la vulnérabilité humaine la vulnérabilité morale et la vulnérabilité structurelle qui concerne ce groupe d'enfants. Et donc dans notre travail théorique, nous avons des outils pour faire la distinction pour être capable de décrire les expériences et finalement les traduire en politique. Mais il ne faut pas oublier, comme j'ai dit, les actions au profit des enfants, notamment quand on parle des ados, les adolescents, même dans, le, dans la réponse de l'Église catholique, c'est peut-être ce n'est pas assez clairement indiqué. Alors pour la société occidentale, on parle de l'autonomie des individus, L'Église a mis l'accent sur la vulnérabilité, qu'ils ont parfois a tendance à, à oublier les actions. Et ce que je souhaite dire ici, c'est que l'autonomie, c'est une question importante. Les mineurs migrants ont le droit de se reproduire. D'accord. Les femmes et les mamans donnent à leurs filles des contraceptifs et, et ainsi, ainsi de suite et nous avons la moralité sexuelle catholique elle n'est pas très différente et, et s'applique même à ses enfants migrants. Mon approche serait serait de mettre le point sur la dignité personnelle qui reste le principe central dans l'éthique catholique et et il faudrait élaborer ce que cela signifie pour les enfants migrants. Nous avons d'autres euh, euh, principes, donc euh, et il faudrait les respecter. J'aimerais dire que je suis très très fière du travail que l'institution catholique euh, et les individus catholiques ont effectué tout le temps pour porter assistance et soutien aux enfants dans les églises, vous savez, euh, sur le chemin et quand ils intègrent l'école et la communauté et la paroisse. Donc, malgré toutes ces politiques où nous avons l'obligation de parler très fort et très haut, euh, donc aux États-Unis, États nous avons le travail civique et civil. Ce départ, de manière, il est formidable et surprenant. Nous changeons et nous donnons la bonne vie, la belle vie à ces gens. Peut-être que je m'arrêterai là pour l'instant. Merci. Vous avez parlé de la dignité. Et vous avez parlé des apprentissages sociaux cela nous mène à la partie suivante de notre conversation c'est la réponse et la responsabilité de l'église qui importe et l'église catholique maintient toujours sa position concernant l'immigration les valeurs morales et les apprentissages sociaux nous avons un respect approfondi à la dignité morale comme docteur a évoqué pour chaque individu, quel que soit leur statut migratoire. Nous avons des lignes directives qu'utilise notre Église pour répondre aux migrants et aux réfugiés et euh, pour que les gens se réunissent. Nous avons des options euh, pour les euh, enfants, pour répondre et satisfaire les besoins des enfants et des euh, migrants. Pour qui, sûrement ces circonstances difficiles, l'Église continue et continuera à, ongue, à rester, à, à accueillir chaleureusement les migrants. Et nous allons toujours défendre ces politiques qui, sont, qui seront nation, au, appliquées au niveau national et international. Nous allons mettre l'accent sur les droits de l'homme, l'unité familiale et la dignité, dignité morale. Je, maintenant, je m'adresse à notre invité avec euh, votre expérience en tant que, dans la mission euh, dans votre mission en tant que secrétaire général de la mission comment est-ce que l'église guide le travail du MCMC et comment est-ce que vous avez changé l'état des migrations à, au cours des années donc par quels moyens peut-on aider dans la vulnérabilité d'une mère et d'un enfant pour qu'il ait un apprentissage et pour et comment changer la réalité politique merci beaucoup c'est un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui et c'est un grand plaisir de revoir bateau une autre fois on s'est déjà rencontrés il y a deux ans à Genève quand elle nous a visité avec quelques membres de famille et d'autres personnes qu Bien évidemment, les jeunes personnes qui sont incluses dans cette mission pour aider les gens et aussi pour mieux réaliser que les il y a des droits de l'homme pour les migrants et pour les réfugiés à travers le monde. Moi personnellement j'étais inclus dans ces discussions et ce débat et j'ai aussi parlé avec euh, leurs familles pour pouvoir les aider à venir aux États-Unis un peu plus tôt et ainsi pour faciliter l'application et aussi pour postuler et rentrer au, au à l'Union européenne aussi aux États-Unis et je crois que aujourd'hui on a réalisé un grand progrès avec Matho et d'autres familles et on voit à quel point sa grand-mère était vraiment bien à l'aise et contente surtout après avoir réuni être réunie avec sa famille. Donc je pense que c'est très important pour nous de nous rappeler que Aujourd'hui, nous sommes punis par la dignité humaine parfois, mais notre Église, elle enseigne ce que les autres religions enseignent en même temps. Tout doit être centré sur la personne et la dignité humaine. Mais il faudra aussi se rappeler que ce genre de dignité n'est pas juste quelque chose qui grandit en nous, mais c'est quelque chose qui est inné depuis notre naissance. Et on croit vraiment que Dieu a créé les gens et nous a créés dans différentes images, mais ce n'est pas une sorte de proclamation, mais c'est pour qu'on puisse tous comprendre et se comprendre et se respecter. Ce qui vient par Dieu ne vient pas par le gouvernement, bien évidemment. Donc, il est très important aussi de se rappeler que le travail que fait notre Église catholique est très important, comme avait dit notre intervenante avant. Parfois, ils vont dire comment l'Église catholique faisait des choses beaucoup mieux maintenant et pas comme avant. Ceci est lié aux différents exemples de Jésus et aussi pour l'exemple des traditions juives et aussi d'autres traditions qui nous enseignent aujourd'hui comment on peut aider les gens et comment on peut traiter les autres et comment bien évidemment reconnaître. L'importance des personnes et leur vulnérabil vulnérabilité et faiblesse. Vous-même, vous avez mentionné les, euh, les femmes non mariées qui sont enceintes parfois et leurs compagnons. Euh. Et oui, bien sûr, elles étaient aussi vulnérables. Elles, elles ont frappé à plusieurs portes et personne n'a pu faire entrer Marie. Tout le monde a refusé d'aider Marie. Mais ils ont eu l'agencement d'avoir l'aide de dieu et d'avoir aussi une stabilité pour se rassurer que son enfant va être bien euh, pris soin donc aujourd'hui on a l'obligation d'avoir cette aujourd'hui cette gratitude d'être aidé par des personnes qui sont simples comme nous Donc aujourd'hui, Jésus nous a enseigné comment on peut traiter les autres et comment aider les autres et comment voir un potentiel chez les gens. Et c'est ce qu'on essaie de faire à travers notre organisation. Nous avons commencé avec le popayas XII en 1951 et après euh, la Deuxième Guerre mondiale et euh, d'autres parties du monde qui vivaient avec euh, de grandes, bien sûr, pouvoirs de destruction. Où les personnes avaient besoin d'aide et avaient besoin d'être aidées, assistées. Donc, ceci a été critiqué pendant longtemps car on n'a pas pu faire le nécessaire en Allemagne. Mais en même temps, ce que les gens ne connaissent pas et ce qui a été reconnu par plusieurs personnes qui ont vécu et que lui-même a pu ramener plusieurs réfugiés à. La ville Vatican, qui est la plus petite ville au monde. Et il a pu les aider. Ensuite, il a commencé notre organisation pour aider à trouver des solutions pour ces réfugiés à travers le monde. Et il a voulu que ça soit une organisation globale et euh, qu'on opère non seulement en Europe, mais à travers le monde entier. Donc, euh, c'est un travail qu'on avait fait depuis des années. Euh, en Australie aussi et dans d'autres parties du monde qui n'ont pas été influencées par cela. Donc, nous avons déjà réalisé ce travail pendant longtemps, pendant des années, et presque à pendant 79 ans que nous avons fait ce travail. Et aussi pour l'Australie et nous nous concentrons aujourd'hui sur le Moyen-Orient et on est très honorés qu'on a pu aider plusieurs personnes et on essaie aussi de pouvoir préparer une assistance non seulement médicale mais aussi psychologique et se concentrer sur plusieurs choses importantes pour préparer des espaces pour les enfants et leurs mamans afin d'être réunis dans un cadre migratoire et aussi prendre en considération, euh, bien sûr, leurs points de force. Et aujourd'hui, nous travaillons aussi au Burkina Faso avec un grand nombre de personnes qui ont besoin de beaucoup d'aide et des personnes qui connaissent beaucoup d'activités terroristes avec, par des, différents extrémistes pour aider les mères à ramener leurs enfants, à les éduquer, ensuite à les aider à mieux être intégrés dans différentes zones de leur pays. Vous avez aussi posé la question liée au travail de l'Église et comment ceci a changé. Donc, euh, je dirais que parfois nous restons très honnêtes avec nous-mêmes, car on sait très bien que Jésus a toujours aidé et donné la priorité aux migrants et aux personnes les plus vulnérables. Donc, nous essayons de rester dans cet même esprit et qu'on essaye d'être plus organisé dans la promotion et aussi pour l'encouragement des refugiés et des migrants à changer les politiques et à développer les politiques nécessaires. Un des exemples en 2016 ou 2018, les Nations Unies ont eu un grand débat sur la migration volontaire et la migration euh, irrégulière, et plus que 119 pays en en signer, mais les Vatican et notre Église et surtout notre organisation catholique ont en travaillé ensemble pour développer les principes qui doivent être inclus dans ces contrats. Et surtout le document du Vatican de l'année 2019 et les différents principes et pratiques qui sont inclus dans ce pacte global. Aujourd'hui, on essaie de nous rassurer que Les gouvernements puissent mieux appliquer, implémenter cette nouvelle réglementation. Et en fait, à CMC, nous sommes bien inclus dans ce grand projet global et nous travaillons avec plus que 2000 organisations non gouvernementales, des municipalités, des corporations, des entreprises et on est très impliqué et aujourd'hui on va se rencontrer à Genève pour tous trouver une solution et nous sommes tous occupés pour trouver une bonne solution et de meilleures pratiques. Je crois que théologiquement parlant et comment. Avez-vous pu préparer des ministres pour ce travail et aussi pouvoir trouver une bonne solution pour mieux les former, former des ministres, des prêtres aussi? Et euh, comme l'avait montré Jésus aujourd'hui, Dieu est en nous bien sûr. Et Dieu aussi nous a aidés énormément afin de trouver une bonne solution et à aider les autres à travers notre croyance. Et c'est comme ça qu'on aide les autres à pouvoir mieux appliquer les meilleurs principes et je crois que maintenant, vous comprenez cela avec les pratiques et les interactions quotidiennes avec les personnes vulnérables et les personnes les plus résilientes et je crois que c'est euh, bien sûr une des parties très importantes de nos pratiques et c'est une des meilleures façons pour mieux donner importance aux personnes qui viennent vers nous donner de l'importance à ces piliers et aussi, tout d'abord, il faudra euh, les protéger, leur souhaiter la bienvenue, promouvoir leur dignité, leur agencement, ensuite les intégrer dans notre société. Et l'intégration est deux chemins. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait pour des migrants dépendants ou pour les pauvres, mais c'est quelque chose qu'on reçoit de ces migrants en même temps. C'est les valeurs, c'est le travail continu qu'on apporte dans un autre pays et comment on aide à renforcer aussi les différentes régions à laquelle nous venons. Merci beaucoup, Monsieur Monsignor Robert Gévitilo. Nous allons retourner à ces discussions liées aux valeurs que nous défendons. Mais en même temps, en voyant ce qui se passe et ce qui s'est passé pendant les différentes guerres mondiales, il y a aussi une grande présence des églises dans le monde qui nous aident à mieux voir ces réalités à tous les niveaux et à voir l'importance de la participation de la société dans ce travail noble. Donc, Brenda va nous parler aussi de cela, nous parler des perspectives et des meilleures pratiques, surtout quand on parle de ces politiques et des idées qu'on va mettre en pratique. Et vu la localisation géographique, bien sûr, c'est une des plus grandes causes de migration vers le nord. Et c'est pour ça que, bien sûr, aujourd'hui, nous voyons les frontières mexicaines très difficiles à trespasser. Et on voit les personnes qui viennent de, de, de Mexique vers les euh, États-Unis. Mais je vois aussi que Guatemala souffre. énormément en tant que pays transitaire et aussi pays de passage et aussi afin de passer à Guatemala et comment passer aux États-Unis et aussi des espaces et des réalités afin qu'on puisse qu'on puisse voir les, les différentes violations, incluent les problèmes, les abus des forces policières, des criminalités différentes. Donc, je veux demander à Brenda quel est le rôle de l'Église aujourd'hui dans ce travail et comment votre Église a commencé à prendre soin de ces migrants et de ce réfugiés et aussi comment on arrive à aider les familles et les enfants. Et comment, bien sûr, les églises et les organisations ont pu contribuer à la réunification des familles dans un cadre migratoire. Merci beaucoup, Ian, et merci de m'avoir invité aujourd'hui dans ce séminaire. C'est une conversation qui est très intéressante, et je pense que à partir de ma, ma propre expérience sur les valeurs et sur ce que nous faisons dans le cadre du travail de la de notre église, il est très important de voir tout d'abord quel est le rôle de l'église dans le travail migratoire et aussi pour comprendre pendant les deux années dernières la compensation des migrants et comment on a pu changer le perspective migratoire. Nous avons vu aussi dans le passé comment on a pu aider les différents migrants et nous avons vu aussi une grande transformation chez les groupes de personnes migrants d'El Salvador, Honduras, par exemple, et Venezuela, Guatemala, et, et qui sont des unités euh, de familles qui voyagent ensemble. Et dans différents cas, plusieurs enfants hein, rencontrent plusieurs difficu difficultés. Nous avons aussi vu comment les, les chiffres sont en augmentation signifiante et considérable. Par exemple, en 2013, nous avons vu presque 1000 enfants qui ont été arrêtés entre les frontières du Mexique et des États-Unis. Et à travers le temps, ce chiffre a continué à augmenter entre 2021 et 2022. Presque 25 000 enfants ont été interpellés dans les frontières entre le Mexique et les États-Unis. Donc, on, on voit maintenant que ceci est très effrayant et les chiffres sont en train de grandir d'une façon très énorme. Ceci est lié d'abord aux, aux personnes qui sont euh, interpellées, mais nous n'avons pas vraiment un registre ou des chiffres des enfants réellement qui, qui, sont en, qui voyagent. Et je prévois et je prédis que le chiffre est beaucoup plus. Nous avons aussi vu qu'il y a un rôle très actif et dynamique. Et vous voyez que l'Église catholique, pendant des années, s'est engagée réellement pour prendre soin des enfants. Mais maintenant, avec la crise migratoire, on voit que, bien sûr, il y a la mobilité humaine et il y a aussi plusieurs personnes qui essayent de nous aider pour, euh, bien sûr, préparer euh, l'accompagnement nécessaire aux migrants à travers le tra la trajectoire et aussi toujours se rappeler que la migration est une option. Et aussi pour avoir une idée sur comment aider ces personnes. Car ils nous aident à trouver une assistance humanitaire, l'aide nécessaire, les médicaments aussi, quelques services disponibles aussi. Le soutien social aussi, qui est très important et que nous essayons de réaliser à travers la mobilité et qui est implémenté dans le pays. Nous avons aussi vu que nous avons des chiffres qui sont énormes et qui sont bien sûr en augmentation depuis 2021 et ceci est dû au Covid, n'oublions pas, mais ceci ne dit pas que les migrants ont arrêté de venir, mais ceci dit que. Les frontières ont été fermées, il y a une augmentation, mais les personnes continuent à venir en des chiffres énormes. Je crois que aujourd'hui, nous jouons un rôle très important pour aider les migrants. Par exemple, on participe dans plusieurs espaces pour intervenir pour conseiller pour aussi ramener les informations nécessaires de ce que nous faisons et se rassurer que c'est un problème qui est de plus en plus visible et que ce n'est pas juste le travail de l'église mais plutôt c'est un travail qui est très complexe et qui requiert plusieurs solutions etéquipe et on a besoin bien sûr euh, du gouvernement national, des institutions qui sont en charge de la protection des enfants aussi, les autorités au niveau local et en, dans notre cas, nous avons besoin d'aide de nos ancêtres, car plusieurs enfants aujourd'hui qui voyagent euh, viennent de quelques communautés de minoritaires. Donc il y a un rôle joué par tout le monde pour suggérer des solutions. Et nous en tant que catholiques Et aussi pour se rassurer qu'il y a des services euh, sociaux disponibles qui vont soutenir les services sanitaires aussi. Autre chose que nous avons vu, c'est un mouvement très actif et dynamique, un réseau qui inclut des universités, des ONG au niveau local, pour essayer de collecter les données nécessaires et aussi rendre ce genre d'informations disponibles pour nous, bien sûr, en tant que CRS. Je sais que j'ai la chance aujourd'hui de travailler avec des programmes et des services et des projets pour les enfants et pour les jeunes et ce privilège nous a aidé énormément à parler aux familles et à mieux comprendre comment ils, ils voient vraiment ce nouveau mouvement et ce nouveau réseau et en parlant à ces familles nous avons retrouvé que que nous avons aussi plusieurs causes et de cette migration et aussi mieux comprendre et aussi comment mettre de la pression sur les parties prenantes et sur le gouvernement afin qu'on puisse réaliser un changement actif. Et aussi, à Guatemala, nous avons prévu plusieurs autres mouvements puisque nous sommes un pays transitoire et, et puisque nous avons changé de, de scénario, il faudra mieux s'adapter aux besoins. Et nous avons aussi plusieurs facilités pour nous rassurer que les familles et les unités familiales puissent rester ensemble. Et aussi, bien sûr, trouver des outils impressionnants qui peuvent être développés, comme l'UNICEF par exemple. Donc, en essayant peut-être de nous rassurer que tout est ajusté pour mieux répondre à ce nombre d'enfants qui s'augmente dans le contexte migratoire. Autre chose que nous avons vu dans les communautés, c'est le fait que quand l'enfant ou le jeune et déportés plusieurs entre eux doivent passer par un processus d'agence où ils doivent ramener les enfants dans des institutions et doivent attendre d'être unifiés par leur famille. Donc c'est une période qui est très critique. Ensuite, ils reviennent avec un grand impact et une grande influence car plusieurs entre eux ont été impactés euh, psychologiquement, ont rencontré plusieurs euh, problèmes psychologiques. Donc, ceci a un grand impact au niveau de leurs pensées, de leur cerveau, de leurs émotions. Et ceci, bien sûr, a à faire avec l'importance que nous donnons à. Ce travail est quand ils reviennent pour offrir le soutien social. Mais on voit aujourd'hui que nous avons un soutien disponible et nous rassurons aussi qu'il y a des services au niveau local. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais je sais très bien aussi que l'Église aujourd'hui a fait beaucoup de travail et on est très content de faire partie de cette mission. Merci Brenda. Je crois que ce, ce qui est très important, c'est d'être capable de voir le, ce sujet, le sujet d'immigration de la famille et des enfants de plusieurs perspectives. Nous avons vu l'élément théorique, l'expérience, et puis nous avons les apprentissages de l'Église. Et maintenant, nous allons voir les choses sur le terrain de manière pratique. Tous les participants souhaitent savoir un peu plus sur ce parcours. Quelles sont les ressources, les ressources disponibles qui ont été citées par nos partenaires pour que les enfants euh, trouvent d'autres euh, ressources et de soutien. Nous, ce serait intéressant de continuer ce débat. Pour passer à la section suivante de notre webinaire, je souhaite euh, ouvrir la séance questions et réponses. Euh, nous allons vous donner la parole euh, pour que les participants et participantes euh, posent leurs questions. Vous avez la section réservée aux questions dans le chat. Je serais très heureux de recevoir euh, votre feedback et vos questions dans le chat. Ma question s'adresse à, à tout un chacun, hein, à, à Monsieur Viti, à Heller, à Brenda. De manière générale. De quelle manière Et euh, nous avons les, les expériences vécues, mais nous souhaiterons voir cela dans l'avenir. Euh, comment est-ce que la communauté de l'Église pourrait contribuer euh, quant à, la, à ces politiques, notamment à la formation de politiques, notamment quand on parle de gens qui ne, sont, qui ne comprennent pas tout à fait la question de migration. il y a une polarisation dans, dans la sphère politique. ça concerne d'autres pays, mais ça ne s'applique pas aux états-unis seulement. ils ne sont pas très informés par rapport à l'immigration. donc je suis très curieux de savoir comment est-ce que l'église et la communauté de l'église pourraient jouer un rôle plus actif pour euh, former des politiques et pour changer la perspective des gens qui traitent et qui fournissent ces services aux migrants. J'ouvre la. Je donne la parole à Dr. Hacker. Votre question est similaire à une autre question que je vois maintenant. Donc la politique de l'immigration et la politique frontalière, ça remonte à l'histoire, ça remonte au XVIe siècle. On, quand On dit on a le droit de migrer, mais en même temps, nous, notre responsabilité, euh, nous avons la responsabilité d'accueillir ces migrants. Mais cela ne signifie pas que vous avez le droit de rester. Cette tension est restée avec nous jusqu'aujourd'hui. Je commencerai par un autre, une autre perspective les réfugiés. Et les demandeurs d'asile requièrent des actions urgentes. Et ça, c'est un petit peu différent. Ça diffère d'une migration générale. C'est pour cela que j'ai commencé par mon propre histoire. Moi, je suis une migrante en sécurité, une migrante volontaire euh, et bénévole. Je n'étais pas obligée de migrer, ça c'est différent. Et il doit y avoir une structure, il doit y avoir une, une politique frontalière, etc. Mais quand il s'agit de migrants qui fuient leur pays, qui fuient le crime, qui fuient l'insécurité, quand il s'agit de, de demandeurs d'asile qui fuient la persécution religieuse ou politique, les actions urgentes sont nécessaires. C'est là où on fait le distinguo entre les deux groupes ou les deux ou trois groupes. Même si je crois que Robert pourrait en parler davantage, mais pourtant, il doit y avoir une structure, il doit y avoir des politiques en place. Pour l'instant, je peux seulement parler au, au nom de l'Union européenne et parler des États-Unis. Ce qu'on voit, c'est tout à fait différent. Il y a une augmentation de la xénophobie qu'on n'a pas constatée il y a des décennies. Maintenant, nous avons une traduction de ce type de, je ne sais pas comment décrire, de reconnaître qu'on est, qu est tous des pays de migration. Nous avons des politiques. Essaye de garder les gens en dehors, même les réfugiés, même les demandeurs d'asile. On ne parle même pas de migration de manière générale ou de migrants bénévoles. Je crois que l'Église catholique devrait en parler de plus en plus. Ma préoccupation, Ma préoccupation est que c'est vrai que, que nous avons fait un travail énorme au niveau civil et au niveau de la communauté, mais je ne suis pas très certaine qu'on est assez formé pour devenir des personnes qui parlent en public. Est-ce qu'on fait assez concernant l'application euh, du pacte mondial pour l'immigration dans notre politique? Est-ce qu'on est assez prophétique? Parce que c'est notre tâche, c'est la tâche des chrétiens d'avoir des voix pro euh, prophétiques. Nous avons besoin d'être la voix des gens, des gens qui ne peuvent pas, euh, euh, qui ne peuvent pas parler, euh, qui sont mis en sourdine, qui, ne peuvent pas, qui sont muselés, qui ne peuvent pas s'exprimer. Je crois que le public, la voix euh, de l'institution ou de l'Église, doit être plus critique, plus importante. malgré le travail, le bon travail que nous avons fait, je crois, que, je crois à l'urgence et je reconnais qu'il y aura toujours une tension. mais cette tension entre les droits de migration et la, et la police frontalière, ça, ça on peut le résoudre. merci, docteur docteur le à, à guerre avec la formation et la défense, le plaidoyer, mais également la réalité politique dans laquelle nous, nous opérons en tant qu'organisation. Qu Est-ce que vous avez des idées pour que la communauté, l'Église, soit plus prophétique et qu'elle réponde à, ce, à ces défis auxquels ces migrants font face? Premièrement, je crois que l'Église est prophétique et on fait du plaidoyer, notamment au niveau global. Il faut se rappeler, j'ai parlé de ce petit État, le Vatican. C'est un petit État, mais c'est un, un pays. L'État du Vatican est un État, a observé, a fait des observations à l'Assemblée des Nations Unies et auprès des, des agences unisiennes. Elles ont un statut euh, au, auprès du commissaire euh, de, euh, de, euh, des réfugiés et des migrants. Dans ces domaines, il faut faire du vote et des élections. Donc, on, le Vatican est très impliqué. J'ai travaillé en tant qu'attaché euh, auprès des Nations unies à Genève. On parle très fréquemment et on change très fréquemment et on raconte histoire, les histoires des gens. Il y avait des événements marginaux dans lesquels nous avons invité des gens qui sont des étrangers pour faire donner leur témoignage. Les diplomates dans nos pays ne savent même pas ce qui se passe dans leur propre pays. Ils, sont très ils expriment leur point de vue politique, mais ils ne connaissent même pas la vie et les expériences des gens, des gens qui sont vulnérables. Je crois. Vraiment, l'un des grands gaps et manquements, nous faisons la promotion, mais ce n'est pas assez. C'est le fait de, de, de comprendre les réfugiés, les migrants. Euh, Dieu nous a dit il ne faut pas les voir en tant que nombre, en tant que problème, mais apprenez à les connaître en tant que personne. C'est ce que pourrait faire l'Église. C'est l'Église que fait des gens. Quand on a été impliqué dans le travail des églises communautaires, nous avons aidé les réfugiés, nous avons protégé les personnes euh, déplacées en interne qui sont les moins protégées par les agences des Nations Unies et les conventions unisiennes parce que leurs propres pays, propre pays sont censés les protéger, mais parfois c'est le pays euh, qui, euh, leur font, qui, qui les persécute. Donc il faut que les gens apprennent à connaître les migrants. Ces gens ont les mêmes défis que nous. Ces gens ont les mêmes talents, les mêmes compétences et la même foi que nous. Donc, on parle de nous contre eux. C'est là où l'Église pourrait intervenir pour amener, pour rapprocher la communauté des réfugiés et la communauté dans le pays d'origine pour qu'ils se rapprochent et pour qu'elle qu travaille encore plus. Merci beaucoup. Pour revenir à Brenda. Nous avons une question que nous avons reçue euh, des participants. Quelle est l'assistance humanitaire à court terme et à long terme pourrait être fournie ou euh, euh, pourrait être fournie par l'organisme? Mais nous avons les autres églises et la communauté de l'église. Qu'est-ce qui a été fait par rapport à l'assistance à court terme et à long terme et qu'est-ce qu'on peut faire davantage? pour euh, apporter euh, euh, soutien à cette communauté, ces enfants qui ont été exportés ou exportés, euh, euh, rapatriés des États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut faire avant le début euh, de, cette, euh, de ce rapatriement Je crois... Nous avons le mandat de parler euh, du risque de ce parcours, de ce voyage. Pour répondre à ceux qui, dit, qui pensent à l'immigration, on a dit que l'immigration est un droit. Ce qui est important, euh, est, le plus important, c'est la famille. C'est la famille qui prend la décision. Donc, nous travaillons avec la famille comme mon collègue l'a dit, en parler, mais écouter, écouter leurs propres histoires, essayer de comprendre leurs défis, comprendre les barrières auxquelles ils sont confrontés et qu'est-ce qu qui les a poussés à prendre la décision de, de, de migrer. Donc, ça nous aiderait à développer des, des politiques. Pour répondre à la question dans le chat, CRS a travaillé. À, pour soutenir avec le soutien des partenaires locaux sur le terrain, plusieurs, y compris Caritas au Guatemala. À travers nos partenaires, nous sommes capables d'avoir accès à ces communautés d'une manière plus globale. Mais il faudrait garder à l'esprit, allant à court terme pour l'assistance humanitaire, il faut avoir un package pour une famille, par exemple un panier de produits alimentaires, des kits d'hygiène, un soutien, un refuge au profit des enfants migrants que j'ai cités aujourd'hui. J'aimerais terminer en disant que nous avons besoin de définir un package holistique euh, qui bénéficierait, euh, qui profiterait aux familles comment est-ce qu'on peut aider la famille à trouver des opportunités dans la communauté, trouver un moyen pour euh, profiter, de, bénéficier des services? dans ce package, on peut renforcer les liens entre les familles et la communauté, et les enfants et la communauté. c'est de là notre rôle. Et finalement, je crois qu'en tant que, que catholique, il faudrait faire un effort pour éliminer la discrimination et la stigmatisation à l'égard des migrants. Notre, nos propres familles viennent d'un autre pays. Elles sont obligées de rester ici. En tant que catholique, comment peut-on, par quels moyens peut-on soutenir ces familles dans cet impasse Merci, Brenda. Revenons à Batou en tant qu'une qu personne jeune, jeune personne qui a décidé de dévouer sa vie, son avenir, sa carrière à défendre les personnes déplacées pour la réunification familiale. Vous, vous avez choisi un chemin que rares sont les personnes qui empruntent, mais pour juste que les gens découvrent ce que vous faites, que pour en faire les jeunes vous, en tant qu vous, vous êtes jeune et vous avez, vous avez vécu euh, ce parcours et vous avez vu ce voyage. Pour soutenir la famille et euh, faire partie et échanger, qu'est-ce qu'on peut faire sur le franc? Comment peut-on s'informer, prendre connaissance de ces problèmes et faire le nécessaire pour mettre euh, ces questions sur la table? Eh bien, je crois, en tant qu'une jeune personne, la meilleure chose à faire, c'est les églises et les organisations, s'adresser aux églises et aux orga organisations qui sont à proximité pour apprendre de ce qu'ils font. Interagissez avec les réfugiés. J'ai interagi avec des réfugiés de la Syrie, puisque je suis syrienne, mais j'ai interagi avec des migrants et des réfugiés d'autres pays. É élargissez votre, vos connaissances en provenance grâce à ces gens. Encouragez les autres personnes à faire de même. Merci, Batoul. Nous avons des questions. Pourrais-je ajouter une phrase Oui, je travaille à l'université. Et vous savez, la Convention des Nations Unies sur les, sur les droits des enfants a établi les limites. Mais on parle toujours de jeunes. On peut même parler des gens à l'âge de 25 ans. Nous, à l'université, nous croyons au fait qu'il faut contacter, aller à l'école, chercher des bénévoles, aller aux frontières. La question ne réside pas seulement de s'immercer dans ce, dans ce problème, mais d'aller dans ces espaces dans, dans, dans la perspective d'apprendre. Et il faudrait comprendre et apprendre et comprendre des expériences. Et puis de là, on peut comprendre et essayer de comprendre ce que fait la Convention sur la protection des enfants. Quelles sont les réponses en place? Est-ce qu'ils sont appropriés? Est-ce qu'ils sont assez utiles? Quelles sont les autres politiques que nous souhaiterons savoir? Quels sont les services qui seront nécessaires aux jeunes dans les réfugiés, dans ces espaces de transition? Nous avons le parcours entre le pays d'origine et le pays de réinstallation. On prend cela en tant qu'un point d'accès, mais également euh, c'est un passage de l'enfance à l'adolescence à, à l'âge adulte et les, selon les circonstances. Ce modèle nous donnera une idée euh, sur ce qui se passe et euh, nous allons être confrontés avec notre conna connaissance. Nous allons sortir de la manière traditionnelle. Vous savez, il faut apprendre de l'histoire et apprendre également du, de l'avenir. Ce sont les sources euh, du savoir et des connaissances, je dois dire. Que je fais le meilleur travail parce que je peux travailler avec des jeunes, mais il faudrait également apprendre à faire, apprendre de manière différente. Notre université a commencé cette expérience. Merci, Batoul, de, de nous avoir emmenés dans ce voyage et merci d'avoir mis l'accent sur ce contact avec les réfugiés et les migrants. Nous avons deux questions dans la section questions-réponses. Nous avons deux questions. Question de Jackie. Qu'est-ce qu'on fait quand les enfants euh, disparaissent dans ce voyage? Et la question, est-ce que vous avez euh, 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 un, une manière de traitement de ces personnes disparues à l'AE en tant qu'Église et en tant que citoyen américain? Est-ce qu'on peut euh, euh, s'adresser aux responsables dans les pays? desquelles ces personnes fuient Est-ce qu'il y a une reddition de compte concernant les actions quand on laisse des milliers de migrants et de citoyens fuir Et comment est-ce que l'Église peut utiliser sa voix d'une manière euh, euh, utile Et donc, nous avons des leaders euh, qui ont été tués à, à cause de ces discussions. Quelle est la bonne manière à l'avenir pour utiliser cette voix pour défendre les gens qui en ont besoin? Vous voulez que j'intervienne ou que je dise quelque chose, Ian? Premièrement, l'Église catholique a une représentation dans plusieurs organisations internationales. Autre chose, c'est que l'Église catholique dispose de relations diplomatiques complètes avec plus de 180 pays dans le monde. Il faut se souvenir que beaucoup de travail est fait au niveau global entre dans ces structures intergouvernementales, mais il y a beaucoup de travail qui se fait au niveau bilatéral entre gouvernement et l'Église. Catholique parce qu'on a des relations, nous tenons des relations diplomatiques avec ces pays. Nous avons pu mettre sur la table euh, quelques-unes de ces, ces questions dans les relations bilatérales. Parfois, on peut faire les choses à travers un dialogue plutôt qu'un niveau plus élevé. Nous avons également notre Église a été très impliquée dans la situation des enfants ukrainiens. Et qui ont été contraints de partir en Russie et parfois ils ont essayé de changer leur identité euh, pour euh, parce qu'ils ont été forcés euh, à, à l'adoption. Donc nous avons tout un domaine dans lequel on peut échanger, les promouvoir, comme par exemple les prisonniers, promouvoir la libération des prisonniers euh, qui sont toujours euh, qui sont qui sont détenus c'est ce que fait l'Église catholique en plus euh, de notre de nos voix euh, au niveau euh, au niveau global il faut également mettre l'accent sur le fait qu'on fait cela euh, qu'on fait le, le travail avec la communauté Et on peut euh, parler de ces expériences à la communauté on peut également présenter ces migrants aux communautés, à, à la communauté. Nous sommes une entité unique, une structure unique, où la communauté locale, nous étions là avant l'émergence, avant les problèmes, et nous sommes présents avec les, les ONG et les grandes organisations parce qu'il y a une question de financement. C'est une, une des choses que, que l'on peut faire pour, euh, ram... pour faire un changement euh, important et critique. Une autre question à ajouter euh, de Phil Coleman. Et la majorité des gens accueillent l'immigration. Donc, cela. L'Église a, a, s'est engagée dans la politique au niveau du Congrès pour a, présenter et, a, des changements critiques dans l'immigration. Bonjour Philippe et merci pour a, la question. Je crois encore une fois que un, les leaders de l'Église catholique pourraient débattre des questions qui concernent la foi. Mais ils restent très puissants dans la question de. Euh, ils défendent euh, très durement les migrants. Nous, nous amenons les politiciens et les décideurs à débattre et euh, pour amener à des à réformes au profit de l'immigration. L'Église continue à avoir cette voix. Euh, le gap, c'est que on n'en on, 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 on parle pas assez dans la communauté locale pour faire entendre la voix de ces migrants. Nous avons besoin de travailler avec les prêtres locaux et les ministres locaux pour qu'ils qu soient capables, euh, pour qu'ils uh, portent leur voix au nôtre. Je suis un catholique, je suis un chrétien, je suis tous les commandements mais en même temps, elle rejette les gens qui sont les plus vulnérables, y compris les migrants et les réfugiés. Merci. Nous avons une autre question que je souhaite poser. Est-ce qu'on peut parler des facteurs qui poussent la personne à quitter son pays et quel est le rôle des transferts d'argent dans la migration régulière? Et j'aimerais ajouter autre chose, une autre question qui dit, est-ce que vous pensez, qu quels sont les conflits, quels sont les défis qui lient l'immigration et le changement climatique, qu'est-ce qu'on voit sur le terrain euh, au niveau du Guatemala, mais vous également docteur, avec les conflits, avec tous ces problèmes comme le changement climatique et l'urgence que vous avez cité plus tôt. L'urgence d'agir. Euh, oui, c'est une question énorme. Les questions qui poussent les gens à partir. Il faut faire, faire le distinguo entre plusieurs groupes. Les gens qui sont en mouvement, ça concerne les enfants. Mais pour la dernière décennie, ça, nous avons également le changement climatique euh, qui est devenu un facteur important nous avons des rapports, de bons rapports établis par les Nations Unies qui évoquent la question de euh, la question de changement climatique et pour le Vatican, on a parlé de la crise humanitaire qui ne devient qui deviendra plus importante et plus grave avec le changement climatique. C'est euh, peut-être, euh, ce n'est pas un facteur d'attraction pour les, les forces d'attraction donc. Euh, Une, ça concerne une grande partie de mon travail. C'est une injustice économique, une injustice économique globale. Nous sommes dans une situation où plusieurs changements ont eu lieu aujourd'hui. Et ce qu'on a vu pendant la dernière décennie, c'est qu'au lieu de se battre contre la pauvreté, il y a eu plusieurs, un progrès énorme dans quelques pays, mais de, de manière globale. Quand vous observez l'injustice. Économique, vous allez trouver que le gap entre les riches, qui sont peu de personnes, et le reste du monde est devenu beaucoup plus important. Même si, les avec les objectifs millénaires, les objectifs de développement durable, ils ont réussi. Ces programmes ont énormément réussi. Je ne veux pas les sous-estimer, mais c'est la richesse. La richesse. Qui se trouve entre les mains de quelques personnes. Nous avons une structure d'injustice globale. Et ça contribue, ça, ça devient un, un facteur d'attraction. Il y a des opportunités pour quelques-uns et que ces gens choisissent. Brenda l'a cité. Nous avons le droit d'émigrer. Il faut y faire face. Et il ne faut pas seulement fermer les frontières et prétendre qu'on ne fait pas partie du monde et qu'il n'y a pas une histoire qui remonte et qu'on a... c'est une injustice qu'il faudrait euh, confronter et de là cela nous ramène aux politiques et nous ramène au niveau local. Nous avons plusieurs étapes qu'il faudrait, et des démarches qu'il faudrait mettre en place. Nous avons plusieurs agences, nous avons de nombreux experts qui font ce travail, mais c'est une question de discours. Je crois que nous avons deux institutions, les Nations Unies, le leadership et le Vatican, le pape. Et comme Robert et l'agence des réfugiés qui se trouve là-bas, qui essaie de créer un discours différent pour euh, pour nous amener à, à clôturer les frontières. Je crois que le, le, soul, le seul pardon, discours moral qu'il faudrait défendre, il est impossible pour moi de rentrer dans les politiques euh, qui évoquent les facteurs attirants et répulsifs, mais je souhaite évoquer un autre élément. Peut-être parce que je suis all -all -all allemande et que je vis aux États-Unis, je suis très préoccupée parce que dans mon propre pays, en Allemagne, nous avons une longue histoire et soudain, en 19 dans les années 30 et les années 40, avec l'Holocauste, ça a commencé avec la euh, remigration volontaire et l'expulsion, et puis l'extermination et la tuerie de 6 millions de Juifs. L'Église catholique n'a pas, pas défendu ces gens au départ et n'a pas défendu ces gens. Et je suis très concernée, préoccupée. J'ai un souci. Nous avons un discours politique maintenant qui parle d'expulsion, rapatriement, euh, remigration. En Allemagne, la semaine dernière, il y avait presque un million de personnes dans la rue qui manifestaient euh, pour. Euh, il y avait les, euh, le, le pôle politique droite. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut voir de plus en plus. C'est une résistance, une manifestation contre une mentalité que je crois être contre la chrétianité. Et ça n'a rien à voir avec la culture de l'accueil et la culture qui prend au sérieux la dignité de tout un chacun. Et là, on peut passer à la politique, à l'équité, à la justice. Mais la solidarité est fondamentale. C'est une question urgente. Ça, ça vient en premier pour les, euh, pour les chrétiens. Je crois que nous sommes dans une, dans une situation maintenant, au moins aux États-Unis et en Europe, où les chrétiens sont amenés à faire quelque chose, à agir. C'est le cœur de notre euh, mission en tant que chrétien. Merci, docteur Eicher. Pour revenir à vous, Brenda, puisque vous avez travaillé sur le terrain et vous avez évoqué quelques facteurs, il y a une question qui concerne les gens et les enfants migrants qui se trouvent dans la rue. Dans quelles conditions se trouvent-ils après le passage dans un pays de transition et le pays de destination où ils passent On a posé la question. Comment est-ce que l'IARS et d'autres agences et d'autres organisations ont essayé de s'engager et de travailler avec cette catégorie des enfants qui sont sans abri, qui vivent dans la rue et qui se trouvent dans une situation très difficile? Comment est-ce que vous allez adresser ces problèmes et traiter ces problèmes par rapport à ces enfants en mouvement et qui sont en transit pour arriver à destination? Donc, par rapport au premier sujet, par rapport aux différents facteurs, je crois qu'une des choses que nous avons vues en réalité, c'est que les, le facteur miroir, par exemple, je vois mon voisin. Et je vis dans des conditions très pauvres et vulnérables. Et je vois qu'il est en train aujourd'hui de construire une belle maison. Et parce que c'est sa famille qui lui envoie de l'argent des États-Unis, par exemple, je veux moi aussi devenir comme lui. Et il y a plusieurs personnes qui veulent devenir comme lui. Je veux aussi avoir ma propre maison, mon propre foyer. Mais il ne parle pas de tout ce qui se passe vraiment entre les deux facteurs depuis le moment où ils quittent jusqu'au moment où ils commencent à envoyer quelque chose à leur communauté. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faudra absolument, euh, à laquelle il faudra faire attention, car il y a beaucoup de risques facteurs entre les deux trajectoires pour tout le monde. Mais pour aujourd'hui, pour cette forme où nous parlons des enfants, une des choses que nous n'avons pas mentionnées, c'est que. Il y a quelques enfants qui voyagent car ils veulent être réunis avec leur famille qui sont déjà sur place. Donc, c'est un rêve d'être réunis avec sa famille et ils essayent plusieurs fois. Ensuite, il y a un autre facteur où nous avons bien sûr... sans être réussi et ça vient avec... Un, un nouveau, euh, bien sûr, problème, nouveau challenge. Et ils veulent partager cela avec nous. Et à chaque fois qu'ils ont cette opportunité, ils veulent absolument la partager. Donc, il y a un cycle de travail. Et c'est une des choses que je voulais mentionner. Et ceci lié par exemple aux enfants dans les rues. On voit beaucoup de cela au Mexique et à Guatemala où il y a plusieurs communautés. À Pachula par exemple où plusieurs migrants sont interpellés en attendant le processus de leur papier pour continuer leur chemin vers le Mexique. Donc je pense que. Les enfants aujourd'hui sont les plus vulnérables, même dans ces scénarios, car ils peuvent être euh, bien sûr trafiqués, ils peuvent subir euh, euh, bien sûr beaucoup d'autres conséquences. Je ne vais pas toutes les mentionner car il y a beaucoup de choses dont on pourra parler, et surtout quand on parle avec euh, nos partenaires locaux et. Euh, il faudra être prêt à répondre à ce besoin. Mais c'est un grand problème quand même et je ne crois pas que c'est juste un sujet lié. C'est un sujet qui dit qu'on a tous besoin de travailler ensemble sur ce problème de migration. Merci beaucoup tout le monde pour ces conversations incroyable et euh, je vais utiliser cette dernière question pour partager quelques réflexions. Un des participants a dit que il y a un environnement difficile et qu'il y a plusieurs communautés et plusieurs groupes et communautés ont choisi de ne pas part participer ou être inclus dans ce genre de communication. Et surtout quand on parle de la migration comme étant un sujet très difficile. Donc, une des questions, c'est comment on peut commencer ces conversations et ces débats sans leadership de l'Église, sans passer par l'Église et avoir une autonomie à créer dans nos euh, sociétés, créer des opportunités et ces engagements. Et bien sûr avoir une idée sur cela. Donc, je commence avec vous, Batoul. Comment vous commencez des conversations comme ça et comment vous pourriez refléter sur ces questions en général? Je crois que le fait de réunir les personnes dans des mosques, par exemple, et les personnes qui travaillent dans des zones comme ça, et aussi avoir une idée sur ce qui se passe et se réunir pour parler, pour discuter, pour avoir un intérêt, pour être. Euh... Et maintenant que nous sommes à Genève et que nous sommes venus pour visiter ces MC, on voit qu'il y a des personnes qui, qui ont été convaincues euh, par ce sujet dans les mosques. Et des personnes qui vont effectuer, bien sûr, beaucoup de mouvements pour se réunir et euh, aussi pour défendre cette cause et pour militer, préconiser ce genre d'intérêt. C'est très difficile, bien sûr, de réunir les gens, mais je sais que ça va créer un intérêt en commun. Merci, Batoul. Patilou? Je crois que Batoul, vraiment, bien sûr, a, a donné une idée sur ce qui se passe, mais je tiens à vous dire, trouver une solution à mieux connaître les migrants. Et dans plusieurs cas, et dans d'autres églises et dans d'autres mosques, c'est un. Euh, c'est une réunion non seulement religieuse, mais sociale aussi, pour avoir une opportunité de discuter, pour avoir les réfugiés, les migrants. Et euh, je crois que ceci peut marcher de cette façon. Et c'est comme ça qu'on peut mieux apprendre les gens et mieux connaître les gens autour de nous. J'étais très active en Ukraine ces derniers jours. Et je crois que c'est très important pour les, les églises locaux de servir les, les personnes euh, qui sont déplacées de leur maison, de chez eux, à travers les frontières et les ramener en Ukraine ou les ramener dans des pays où ils peuvent vivre dans un environnement pacifique. Et bien sûr, nous avons aussi des personnes qui veulent. Euh, avoir une bonne procédure. Bien sûr, nous avons plusieurs associations et églises qui nous aident aussi à façonner plusieurs réponses et perspectives positives, que ce soit à Paris ou en Ukraine, et essayer de trouver des différentes façons pour promouvoir la paix. Merci beaucoup. Ce que je veux ajouter, en fait, c'est une réalité, c'est euh, une réalité en commun que nous vivons tous et c'est une meilleure façon de pouvoir, c'est un fait, c'est un élément qu'on qu a à faire avec chaque jour. Et je crois que parfois, ceci peut nous aider à nous asseoir et à lire un petit peu à travers les mots et connecter les histoires qui ont été, bien sûr, pour parler des personnes qui ont été marginalisées, les personnes qui ont été torturées. Et si on ne donne pas l'opportunité à ces personnes de créer des histoires, peut-être euh, ceci va nous donner l'opportunité de commencer quelques petits groupes et on voit qu'il y a aujourd'hui plusieurs choses à prendre en considération et on sait que on n'a pas une vibration comme on est attendu à faire mais parfois il y a aussi des maisons et euh, il y a aussi des refuges où on peut être rassemblé et commencer la discussion sur ce sujet. Donc, je crois que dans chaque ville, il y a des initiatives, il y a une grande image et on peut prendre contact avec ces personnes. Bien sûr, il faudra commencer bien à considérer plusieurs opportunités et plusieurs autres chances. Brenda, vous allez aujourd'hui clôturer notre séminaire. En tant que catholique, aujourd'hui, nous avons tous l'envie de travailler avec nos enfants et. Euh, et aussi avoir l'importance de cela et discuter avec les gens et aussi mieux connaître ces migrants et comprendre leurs besoins avoir aussi une meilleure façon de les informer et de les aider merci beaucoup merci tout le monde pour votre aide pour votre exo pour euh, euh, tout ce que vous faites et J'espère que tout le monde a pu euh, bien évidemment apprendre de cette expérience et que tout le monde était présent avec nous.